Et yo tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc on est reparti pour un nouvel épisode. Et donc là j'ai le souci en fait que j'ai plus de... j'ai plus de d'épée. Attendez. J'ai une épée là. Ok, donc automatiquement il nous donne une épée de niveau 1. Ok. Ok, donc on démarre pas sans épée. On a quand même une épée de niveau 1. Donc ça c'est quand même bien. Hop. Bon, on voit que on fait pas beaucoup de dégâts, mais il va falloir trouver une épée quelque part. Une épée qui soit lootée dans, sur le sol. Et gagner finalement les trois missions et récupérer notre épée. En fait, il faudrait toujours avoir deux épées au cas où. Ouais, hein, donc j'ai mis niveau 10 pour eux. Donc normalement, je pouvais avoir niveau... niveau 16. Et là, on a récupéré les dagues. Alors, 14. Ah ouais, 10 à 16. On va quand même prendre les dagues. Voilà. C'est peut-être pas exceptionnel, hein, mais... Voilà, ça fait un peu plus vite, les gars. En attendant d'avoir une épée meilleure. Donc forcément, j'aurais pas pu faire notre mission. Hein. C'est pas possible. Sans mon épée. C'est pour ça que j'ai pris le... un niveau assez facile. Ah, attention, la sorcière hein, qui nous jette donc du poison. Hop. Alors, donc le but ici c'est vraiment de terminer la mission. Attention, le creeper. Hein. Le creeper. Pour pouvoir justement récupérer notre épée là. Je sais pas ce qu'il veut dire par trois missions. Est-ce que c'est trois armes différentes? Je ne sais pas. Hop, on se soigne. Bon, en même temps, on gagne des niveaux hein, en XP. Hein. On peut le voir ici, hein, bientôt au niveau 26. Donc, ce qui veut dire qu'on aura de meilleurs équipements. Possible hein, d'être looté. Hein. Attention le creeper, il y en a deux. C'est bon. Ok, attention. Hein. On voit vraiment qu'on a une épée de merde. Hein. Enfin, de caca, on va dire. Hop. Attention, hein. Avec la vie, on va d'ailleurs profiter de se soigner. Tant qu'à faire. Potion de force. Ça va faire plaisir. Voilà. Parce que vraiment, ouais, je les aurais one shot. Hein. Donc, tu en une fois tous ces ennemis avec mon autre épée. Et je récupère rien du tout, hein. Une épée un peu meilleure quand même. Allez, on tape. Donnez-moi une épée, hein, s'il vous plaît. Quelque chose, on peut faire des dégâts. Ça serait pas mal, hein. En plus, il faut faire un peu plus mal. Hein. Après, c'est vrai. Ça, j'ai oublié de le rappeler. C'est que si on choisit un niveau en dessous, hein, donc exemple ici, moi j'ai pris niveau 10, bah forcément, bah, on a moins d'équipement. Et c'est vrai que ça, j'ai pas pensé. Donc ici, on revient en arrière. Enfin, l'équipement moins haut. Hein. Et ça, j'avais pas pensé. Mais bon. Alors, détruisez les potions. Ok. On a 3 bombes là. Hein. Ok, donc ça, les potions, impeccable. Bon, une en moins. Attention, ça c'est du poison. Ouf, ça pique. Ok, là, on y va. Attention, là, il y en a vraiment pas mal, là. C'est quoi, hein? Oh, gagne niveau, mais non. TNT, on a de trop. Hop, ah, oh, ça jette les trois en même temps. Ça aussi, c'est mal foutu. Parce que... je ne sais pas si on gagne des niveaux pour le coup. Bon, on a des flèches. Allez, donnez-moi une épée un peu meilleure là, s'il vous plaît là. Parce que franchement, je trouve c'est dommage en fait que j'ai jeté des bonnes épées quand même, que j'aurais pu le mettre dans la forge, hein, en fin de compte.
Attention, attention, attention. Parce que là, on se fait envahir. Alors, deux émeraudes, impeccable, j'en ai besoin. Impeccable. Donc là, on a eu quoi? Là, on a eu un truc, je crois. Attendez, on va regarder. On a toujours pas eu d'épée. Donc ici, on voit que la porte, elle est fermée. Donc, il doit y avoir un autre truc quelque part. Mais ah oui, il faut terminer. Voilà, il faut terminer les potions. C'est pour ça. Ok, donc là, on a eu quoi? Ah, on a eu une épée. Attention, attends. On va voir ce qu'on a eu. Donc, ah, ben voilà un truc qui est mieux quand même. Voilà, en plus c'est longue distance, ça, c'est cool. Ça va faire un peu plus de dégâts. Un peu moins rapide, mais... ce qui est déjà un peu mieux. Même si c'est pas le top, hein. Mais c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, en plus, voilà, en une fois on les tue. Alors, trouver le chordon, un nouvel objectif. Par contre, il va falloir un moment que je boive quelque chose. Est-ce que je vais décéder de soif? Attendez, la porte s'ouvrir. On pénètre. Allez, on y va. Allez, tape-le. Impec. Voilà, on voit qu'il y a l'entrée juste... enfin, la sortie juste ici. Oula. Il y a un Enderman. Ah, lui, par contre, il faut le récupérer. Ah, l'Enderman, non, pas l'Enderman. Bon, on fait quand même pas mal de dégâts, ce qui est bien. Mais lui aussi, elle nous fait mal. Hein. Bon, ça va, on va survivre. On récupère pas mal de points de vie sur lui. Quand on tape, voilà, impeccable. Alors. On a eu un arc. Un arc, voilà, pas top. Mais écoutez, bah on va le garder au cas où s'il va falloir l'améliorer. Hein. En tout cas, un ou l'autre. Il fait combien encore Il fait 16. 16 avec 35 à 52 de dégâts. On va se soigner, on va profiter. Ok. Voilà, ça fait plaisir. Pouvoir les tuer en une fois. Donc vraiment, je vais pas dans les coins. Voilà, ce que je veux, c'est terminer la mission, récupérer mon épée. Oh, j'ai 3 TNT. Récupérer mon épée. Et voilà. Certes, c'est toujours intéressant de trouver des choses, hein, ou quoi. Hein. Mais c'est vraiment, je trouve ça vraiment dommage qu'on s'est pas récupéré. Bah, l'épée hein, qu'on a mise hein, au forgeron. Yoshi, y a quoi? On y vient, non? Je m'en rappelle plus. Ouais, je crois. Allez, hop. Seulement deux silences. Ah, TNT, on n'en a pas besoin. Donnez-moi une arme. Hop, on se soigne. Vous voyez que donc ici, il y a deux choix à faire. Bah, je vais prendre le choix de droite. Et je vais pas aller par l'autre côté. Parce que je vais vraiment terminer la mission. Et récupérer mon épée hein, qui est coincée. Donc j'espère quand même qu'elle va être finalement meilleure. Hein, parce que même trois missions comme ça, c'est chiant. Ah, elle a une épée là. En espérant qu'elle soit meilleure. Allez, bouge de là. Que celle que j'ai, ce serait déjà pas mal. Hein. On va regarder. Elle est moins bonne. Hein, du coup, on va la recycler. Et d'ailleurs, j'avais pas pensé à ça.
Attendez, on se fait attaquer. Mais on va l'améliorer, j'avais pas pensé. De toute façon, une fois qu'on la recycle, ben on récupère les choses, hein, les charges. Hein, donc, hein. Certains de vos amis sont suivis rapidement par d'autres. Ouais. Augmente les dégâts contre les morts vivants. Ouais. Possibilité d'invoquer une abeille après avoir vaincu une créature jusqu'à 3 abeilles se rangent à vos côtés. Ouais, non, c'est nul. C'est pas top. Et ah, bah, il y a encore ici. Certains projectiles contiennent une charge explosive. Ouais. Tire sur les créatures à proximité. Roulade, ouais. Attendez. Sale tête zombie. Laisse-moi lire. Chance de récupérer immédiatement une flèche après. Ouais. Ouais, on s'en fout. Y'a rien vraiment d'intéressant. Attention, encore un creeper. Pas un creeper, un Enderman. On va tuer les zombies pour commencer. Mais du coup, on le voit pas là, on le regarde pas. Comment ça se passe? Ok. Dès qu'on passe devant. Voilà, entre guillemets, on le regarde. On a en plus un squelette qui vient. Une sorcière qui se ramène. Ah, on l'a pas eu. Ok, bientôt mort. Allez. C'est la sorcière qui m'ennuie. Allez, on y va. D'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup de gens encore qui jouent à ce jeu. Enfin, je suppose que oui, mais en live, du moins. Je sais pas regarder, c'est pas un truc que je regarde. Qui m'intéresse non plus. Ah là. Parce que le but, voilà, c'est de partager ce que je fais. Et non, c'est là. Attends, c'est quoi que j'ai entendu? Oh, 300. Attends, on a quoi là? Force. Ah ouais, ok. Ah, ça change tout, hein. On va quand même aller voir quand même par là. Si il veut bien passer, ce serait sympa. Ok, il n'y a rien. Et ça, c'est quoi ça, champignon encore? C'est pas voir? Et je ne sais plus c'est quoi. Ok, on va quitter ici. Et j'ai profité de boire un bon coup. En tapant sur les zombies avant. Voilà. Parce que oui, nous, on sait faire plusieurs choses en même temps. Bon. Par contre, ça aurait été pas mal d'avoir une... quelque part, hein, à l'endroit qui nous mette l'émission qui nous reste. Oh, la forme. Oh, une araignée, voilà. Une araignée, c'est ce que j'expliquais. Qui nous jette des choses. Hein. Meurs. Hop là, ah, de l'émeraude, ça on prend. On en a vraiment besoin. Mais j'aime pas le nouveau système, hein, franchement, de la des marchands. Je trouve ça pas top. Vraiment pas top. Avant, on pouvait acheter des armes, etc. Avec les émeraudes directement, mais ici, c'est plus vraiment possible. Attention, le creeper. Ok. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir une nouvelle épée, hein. Enfin cette épée en question qu'on a. On voit quand même qu'elle est beaucoup mieux que la première. Hop, attention. D'ailleurs, profitez de se soigner. C'est en haut qu'il faut aller? J'ai l'impression, oui. Ah ouais, c'est par là. Attention! Ok. Meurs. C'est bon. Alors, une potion périlleuse, hein, c'est ça donc la mission. Voilà, une potion d'ombre.
pas. J'ai les jeux Clash of Clans. D'ailleurs, je sais pas si vous jouez à Clash of Clans. D'ailleurs, j'ai l'équivalent qui s'appelle Les Terreurs. Vous trouverez donc en chef Valdibar, bah, c'est mon compte. Si vous voulez venir jouer sur le clan et jouer avec moi, c'est par là que ça se passe. Donc on a eu une pomme, ça c'est bien. Par contre, je sais pas par où il faut aller. Ah oui, par en haut. Attendez, parce que là je reviens en arrière. J'entends une sorcière. Voilà. Non! Ah, on perd des dégâts. On prend des dégâts, pardon, quand on saute. C'est bon à savoir. Hop. Donc, faut aller par ici. Ok. Et donc, oui, ce niveau-là, bah, je ne l'ai plus fait depuis... Pouf! Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus fait. Ah! Des provisions. Bon, hein. J'aurais préféré avoir des armes. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pu faire ce niveau là, donc je me rappelle vraiment pas du tout. Et puis en fonction de du niveau, voilà, plus on augmente, plus on peut augmenter la difficulté. Donc ça c'est pas mal. Donc il y a vraiment une jouabilité très grande sur ce jeu. Et qui coûte pas entre guillemets si cher. Hop. Alors. Hop, ça on le tue. Ok, on a une petite pomme ici, ouais, qui sert un tout petit peu, on va dire. Enfin, là, elle sert pour le coup. Avec la potion. Attendez, hein, parce que là, c'est derrière qu'on doit y aller. Comme je vais pas faire tous les recoins non plus. Donc c'est derrière qu'il faudra aller. Hein. Donc ça, on prend munitions, provisions. Mais ça aurait été bien en fait qu'il nous donne bah, quelque chose, quoi. Une épée, ça fait longtemps. Meilleur de ce qu'on a. Alors, on continue. Donc oui, hein, les missions, on peut les recommencer plusieurs fois, hein, c'est pas un souci. Par où je passe? Allez, on nettoie tout ça, impec. Ah, pas mort. Ah, je sais pas ce qu'il a donné, il a looté un truc je crois, non? Attendez. Bon, ça, on va recycler cet arc. Pas besoin. Voilà. Mais c'est dommage qu'on n'a pas aussi un coffre où qu'on peut stocker des objets. Ah, un coffre ici. Bon, donc ici, on est fantôme. Je sais pas c'est quoi, honnêtement. C'est peut-être... Ouais, on a... Je sais pas. Être invisible. Enfin, fantôme orbe, je crois, je sais plus. Non, bon. C'est pas le plus important. Et c'est dommage aussi qu'on sait pas les stocker. Ah oui, il y a un boss ici, c'est vrai. Oh, j'avais oublié lui. Oh, et il est assez dur en plus ce boss. Mais non. Ah, j'avais galéré. Hein. Il fait quoi le zombie là-bas? Il est bugged ou quoi? Oh mince, dommage. Dommage, je l'ai jeté, mais j'ai jeté trop loin. C'est comme ici, hein, ça aurait été bien qu'il donne bah, des choses. Oh, ça se régène en plus. Le poisson se régène. Enfin, le chaudron, pardon. Oui, la potion, c'est bien comme ça que ça s'appelait. Ouais, mais je fais trop peu de dégâts en fait, hein. Ça, j'y arriverai pas.
Je fais trop peu de dégâts. Je fais vraiment trop peu de dégâts. Ça mène à rien en fait ce niveau. Je l'avais déjà terminé hein, mais parce que là en fait il génère trop de monstres et j'ai pas le temps. Vous voyez? Il y a pas vraiment d'armes. Allez, attaque! Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait trop mal en fait. C'est vraiment trop mal. Si par moment voilà, il lâche des petites choses, ça aurait été pas mal quoi. Mais là, ça spawn tout le temps en fait. Ah bah si, il lâche des petits trucs. Donc il y a peut-être moyen de trouver des armes en fait, en fin de compte. Attention, attention, hein, parce que là, ça pique, ça pique. Ouais, en fait, ce sont vraiment les smites. Là, on va faire retraite. Là, on n'a pas le choix. On va en arrière. On va vite regarder si on a eu une arme. Non. On a eu qu'un. Comment on appelle ça? Qu'un. Qu'une armure, pardon. Bon, ici, on a de la force. Alors, je rappelle que j'ai fait une petite bêtise, hein, que j'ai mis. Mon épée principale dans la forge, et je ne savais pas avec la mise à jour en question que ça allait être coincé. Attention, 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 attention. Oh là là, oui, il y a le feu là. On sauve, on sauve. Hif. Ah ouais, là c'est vénère. Hein. Ce que je veux pas en fait, c'est que ça se soigne en fait. Le problème c'est que ma vie, elle est limite hein. Ok, en fait faut d'abord tuer tout ça. Oh, ça pique hein. Ça pique sévère. Ça pique sévère, attention. Hop hop hop. Alors je sais bien que j'ai ramassé quelques petits trucs. On va regarder par la suite. Faut d'abord tuer tout ça, qu'on a vraiment pas le choix. Avant de s'attaquer vraiment au chordon qui récupère de la vie tout doucement. C'est vraiment très très problématique. En sachant que j'ai une épée de caca. Attention, attention. Bon, on est obligé de faire retraite. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, est-ce que j'ai une épée? Rien du tout. Rien de nouveau. C'est vraiment problématique. Donc, est-ce qu'il récupère après la barre au-dessus? Parce qu'on voit quand même que c'est divisé. Hein. Écoutez, on va tirer comme ça. Voilà. Attention à la vie. Hop, hop, retraite, retraite. On se soigne, on se soigne. Hop, on continue à se soigner. Oh non, mais c'est chaud. Hein. On a de la TNT. Ça, ça peut être pratique. Alors, on va lancer. Voilà, oh là, il est bien lancé. Ah là, il est bien. Bim! C'est pas énorme encore. Hein. Allez, on va jeter des flèches dessus. Allez, allez, attention à la vie, attention à la vie. Ok, on est en dessous, on est en dessous. Apparemment, on survit. Allez, allez, allez. On va le faire là, on va le faire. Impec. Chouf! Impec. Il y en a eu une imbarlette, hein. Qui n'est pas top. Hein. 25 x 5! Plus de projectiles. Moi bon, j'ai dit à celle-ci en fait, c'est celle-là les 26, c'est celle-là les 19. Et celle-ci c'est aussi une unique. Enfin, je vais la laisser, hein, mais voilà, maintenant si vous savez lequel est le mieux, n'hésitez pas à me le dire. Mouais. Mouais, moi, mouais, bof. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai récupéré mon épée à la fin de ce niveau, hein, à la forge. Je l'espère vraiment, parce que victoire, impeccable. La Joanne a plus de potions en réserve, et les sorcières mettront longtemps avant de s'en remettre. Bien joué. Impec. Bon. On va voir, on retourne au camp. Tididim. Allez, donne-moi une épée, au cas où. Alors, guérisseuse dame. Bon, on va vite retourner au chaudron.
Ouais, en fait, va falloir faire 3 maps, en fait. Et ce qui est assez chiant, du coup. Ouais. Ah, bah attendez, on va pouvoir le renouveler. Il est meilleur, celui-ci. Donc, celui-là, il fait 77. Et celui-ci, il fait 57. Bah voilà, c'est top. Ah, nécessaire. Ouais, bah écoute. Bah voilà. Et celui-là, on le recycle. Hop. Voilà une bonne chose. Bon. Bah. Je suppose qu'on s'est rien acheté encore sur les autres trucs, hein. Marchand. Ah. Réprovisionné 25. Bon, on voit. Alors, ah, attendez. Mais écoutez, bah on va prendre celle-là en attendant. Celle-là, elle m'a l'air bien. La réservée, ça veut dire quoi, réservée? On vient réserver. Donc, la réservation d'un objet signifie qu'elle restera disponible jusqu'à ce que vous l'achetiez ou annuler la réservation et approvisionner l'inventaire du marchand. Ah non, acheter l'objet, c'est ici, d'accord. Voilà. En tout cas, on aura mieux répé de ce qu'on a maintenant. Enfin, du moins, je pense. Hein. Ouais, elle est mieux. Donc, celle-là, bah, on va la recycler. Et celle-là, on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre dessus. Donc, 80% de chance d'enchaîner un coup de... d'enchaîner un groupe, pardon, de créatures et de les garder liés pendant une courte période. Alors, vampirisme, ça c'est bien. Donc, ça permet de se soigner une partie de leur vie. Donc, ça, on va le mettre à fond. 30%, une chance de 30% d'infliger une éclair infligeant des dégâts des ennemis à proximité. Ouais. Ralentit la créature après un coup pendant 3 secondes. Ouais. Augmente les dégâts contre les morts vivants. Donc, les morts vivants, ce sont les zombies. On va plutôt prendre celle-là, hein, ça les réduit. Il inflige 7% de dégâts. Voilà. On va faire ça pour le moment. Voilà, là on a un bug. Là un bug bizarre. Bon. Mais écoutez, moi je sais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause pipi room. Et je reviens directement. Hop. Me revoilà. Bon, j'étais assez rapide quand même. Hop là. Hop. Ça, sa chaise. Bon, allez, je fais devant une petite pause. Hein. Puis on reprend tout ça. Donc ouais, je crois qu'on va refaire une mission. On va faire une carte qu'on a déjà faite, hein, écoutez, parce qu'on n'a pas encore récupéré notre épée la top, donc on va la garder. Et on va d'ailleurs encore boire un coup. Bon, sûrement encore faire pipi après, hein, mais...
Au moins. Bon, on est reparti. On est reparti. On voit pas mal de messages en ce moment. Alors. Ah, ça c'est vraiment chiant ça. J'ai qu'à me regarder s'il n'y a pas moyen de peut-être avoir une arme. Ici, si c'est... niveau 23, attendez, on a quoi? Niveau 20. Donc il peut être intéressant. Bah, bon, écoutez, on va l'acheter. Voilà, super. Bon, on n'a plus d'argent du coup. Mais au moins, on sera un peu plus, plus fort. 84, voilà, 77. Ça, on va recycler. Et on l'ajoute ici. Ça, bon, on va aussi la recycler, c'est 15 de gagner. Hop. Et ça, ouais, ça aussi on recycle. Alors, on profite, hein, tant qu'on est ici, de recycler des choses qu'on n'a pas besoin. Hop. Mais, attends. C'est quoi cette épée? C'est l'épée que j'ai achetée? J'ai une courte mémoire là. Bah ouais, c'est l'épée que j'ai achetée. Parce que 50-89, c'est pas mal. Bon. Écoutez, ça c'est quoi ça? Ça on l'a jamais fait. Mission secrète. Écoutez, on va la faire... Au niveau 16, donc un peu, voilà, faut savoir, voilà, l'épée n'est pas top. Alors, on l'a fait sur celle-là. Donc, l'histoire. Alors, la ruine perdue. L'immense trésor sont dissimulés dans la caverne du marais. Emparez-vous-en avant l'archer villageois. Ok. Bon, on va essayer la mission normale par défaut. Donc, on a deux niveaux au-dessus, on verra. On va voir si on y arrive. Du moins. Hop là. Bon, donc ça, c'est une mission qu'on n'a pas encore faite. Alors, je me permets voilà de faire en mode par défaut, tout simplement parce que j'ai une meilleure épée. J'ai un meilleur soin. Donc, qui est ici, hein. Allez, on y va. Allez, on y va, voilà. On voit quand même qu'on fait pas mal de dégâts, hein. Ça fait zizir. Entends une sorcière. C'est une épée qui a longue portée. Attention, attention, faut partir de là. Voilà, ok. Hop, on prend la force. Ah, il y en a un ici qui est coincé. Hop, on en profite. Voilà, 177. Oh, bienvenue à toi, Yami. J'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? Alors. Comment tout se passe bien? Est-ce que c'est un jeu que tu joues souvent ou pas du tout Encore tué. Alors, on y va. Donc, la ruine perdue. Franchement, Vampirim, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça permet de se générer un petit peu. Hop là. Ok. Bon, tout va bien. On va voir à la fin s'il n'y en a pas un boss. Hein.
Ça, c'est possible. Hop. Bah, l'épée, elle est vraiment pas mal, hein. Donc, on va quand même aller se jeter là-bas. Voir s'il n'y a pas un petit coffre, il n'y a rien du tout. Rien de rien. Alors. Je rappelle hein, voilà, que j'ai mon épée qui est coincée dans la forge. Au forgeron. Mon épée principale. Et j'aurais pas dû la mettre. On aurait fait le niveau par la suite. Hein, qui est donc la quête secondaire. Enfin secondaire du jour. Alors explorer, je sais pas quoi. Les ruines. Ah, tu parles espagnol. Bien, bienvenue à toi. Main vide, comme on dit. Hein. Alors, attention. Alors, passer le pont. Nouvel objectif. On a déjà fait ça, par le passé. Et tu veux parler le français alors? Apprendre. Ou français, si j'arrive à bien prononcer. Donc ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. On va passer cette petite porte. Ah bon, ok, il y a un boss. Allez, on se prépare. Et d'ailleurs, on va bientôt passer niveau 27, hein, bientôt. Enfin, attention à la vie, hein, là, il pique, hein. Oh là, il pique. Bon, j'ai pris la potion là, j'aurais pas dû. Ouais, ça avec l'épée, on voit quand même qu'on n'a pas une bonne épée. Attention, on va s'enlever de ce poison. Ah ! Ok, on se met ici. Hop, santé. On va tuer le slime. Ah, ce poison! Ok, hop, la pomme, impeccable. À mort. Je suis où là? Ok. Et le dernier squelette. Et c'est bon, normalement, j'espère. Ouais. Oh non! Va falloir trouver l'astuce. Impec. Du hasard. Yeah. Donc. Va falloir faire quelle porte maintenant? Celle-ci, mais j'ouvre comment cette porte? J'ai du mal à comprendre là. Bon, on va faire ici, hein. Là, on va sûrement aussi avoir un boss. Ouais. Allez, venez. Voilà. On va voir que tout se passe bien. Attention au poison, la sorcière. Ouais, c'est le bordel là. Hein. Attention. Ah, vite. Hop, le pain. Ok. Je comprends pas tout, hein. Allez, le slime. Voilà. Bon. Mais non. Ok, j'ai perdu une vie. Ok, sympa. Ah non? Non, j'ai toujours 3 vies. C'est bon à savoir, ça. Faut faire attention de pas tomber. Ah, c'est bon? Toujours pas. Allez.
Voilà, c'est bon là maintenant? Ok, impec. Allez, on continue. Encore ce... ces trucs là. Impec. Bon, je suppose que c'est ouvert maintenant l'autre porte. Yep. Alors, on a un coffre. C'est bien, hein, rare et tout, les émeraudes, mais il n'y a pas d'épée. Voilà, on a tout fait. Donc c'est un très bon... Enfin, l'ambiance, elle est bien l'ambiance, hein, franchement. Alors, retour... Retourner au bateau. Donc voilà, il n'y a rien. Mais si, c'est par là qu'il faut aller. Et on saute? Ok. Alors, le bateau, il est là. Mais on va d'abord... Ou alors... Ah non, ici, ok, je vois. On avait déjà fait ça au début. Donc ici, on prend le bateau, et c'est bon. Normalement. Voilà, c'est ça, victoire. Yeah! Yeah! Attendez. Voilà. Impec. Donc bientôt, niveau 27. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Ouais, canne à pêche, ça, on s'en fout. Hop. On recycle. Voilà. Alors. Encore une, hein. Une, et c'est bon. Et ici, c'est quoi? Ah ouais, d'accord. Donc, il faudra encore faire une mission. Et le marchand, la même chose. Ouais, on va changer. Moi, on va garder celle-ci, on va garder celle-là. Alors. Donc celle-là, on l'a faite. Il n'y a pas de V, bon, bizarre. Ok. Donc, crypte effrayante. Bois des creepers. Il y a encore ici les cartes, hein. Mystère. Trouver l'endroit secret dans le temple du désert. Le temple du désert, c'est ici. Hein. Bon, on va faire la crypte effrayante. Donc on prend la prendre en difficile, mais non. On va la prendre ici. Histoire. La crypte oubliée. Une immense crypte se trouve sur la forêt. Les villageois pensent qu'ils peuvent y continuer leurs mauvaises actions sans être dérangés. Allez-vous les arrêter ou vous perdre dans le noir? Bah, on va voir, on va le découvrir ensemble. Allez, go! Hein. On va voir ça ensemble. On n'a pas notre épée, mais bon. Ok, donc on commence directement dans le temple. Un temple qui est très très grand. Qui est vraiment très très grand. Bon, on l'a peut-être déjà fait aussi, hein, par le passé. Hein, ce niveau-là. Hein. Après, ce qui est bien, c'est la jouabilité, hein, du jeu. Il y a pas mal de creepers. Ah, attention! Les creepers qui piquent, hein, vraiment. Mais ici, pas araignée. Attention. Attendez, c'est là. Là, ça devient assez compliqué. On a sûrement dû manger du pain. Quelque chose comme ça, qui nous permet de gagner un peu de vie. Meurs, toi. On va essayer de pas trop se soigner, hein, pour garder les âmes, etc. On va essayer d'utiliser le vampirisme. Si possible. Hein. Non, bon, on va se soigner quand même. Hein, parce que là, on joue vraiment avec le feu. Il
Ok, on a un coffre. On a eu une épée. Et là, il y a un autre coffre de l'autre côté. Bah écoutez, on va déjà regarder ce qu'on a eu ici comme épée. Ouais, pas top du tout. On va directement la recycler. Et ça aussi. Hop. Ce que je fais directement de la place. Hein. Hop, hop. Hop là. Ok, let's go. Ah, et d'ailleurs, pour l'épisode YouTube, on va s'arrêter là pour l'épisode YouTube. Et on redémarre par la suite directement. Une fois que j'aurai battu tout ça. Hop. Voilà, il y en a une pioche ici. Alors je vais prendre. Et tuer les creepers ici, les deux creepers. Et puis on s'arrête là. Ah bon, tout juste. Hein. Allez, pour YouTube, on se retrouve par la suite. Ciao YouTube et à la prochaine.